merci beaucoup, merci beaucoup. Alléluia. Je me cesserai de dire merci au prophète Ferdinand parce que parfois dans la vie, quelles que soient les grâces que tu as, si Dieu ne t'accorde pas la grâce de localiser une main qui te sort de la cachette pour te placer là où les hommes vont te voir, tu meurs avec ton étoile. Moi, je n'aurai jamais honte, ça c'est jusqu'à ma mort. Que ce soit quand il sera là ou quand il ne sera pas là, tout le monde sait, tout le monde saura. Il ne m'a jamais rien défendu. Il n'y a aucun homme sur la terre qui a sa télévision qu'on voit dans presque tous les pays au monde qui prend des tranches et il dit que voyez-le aussi, voyez-le aussi, voyez-le aussi. Et c'est ce qui vous manque, une main. Mais je peux vous dire que le voyage n'a pas été facile. Hello. Amen. Et parfois, le diable te pousse et il a un seul but, enlever l'homme de ta bénédiction. Je lui avais souvent dit, je le sais. Je lui ai dit que chaque fois que tu enlèves ta main dans ma vie, je ressens ça le lendemain. Donc, si tu vas rencontrer quelqu'un pour ta vie, ton main là ne me plaît pas. Je le sens. Et le diable a combattu notre relation. Et il m'a dit un jour que la seule chose qui a sauvé notre relation, c'est que tu as un cœur vrai. Ça veut dire que si quelque chose arrive, je suis convaincu que c'est une erreur. Il m'a dit que tu as compliqué ma vie et tu es le plus vieux de mes amis. On t'aime tellement. Il a dit quelque chose hier et il sait que j'ai l'air de pleurer. Parfois quand il me dit quelque chose, je pleure, il me dit non, pourquoi tu pleures, ça me dérange. Il m'a dit hier, je t'aime tellement que toi tu ne sais plus. Moi aussi je t'aime tellement. Il m'aime tellement que il me dit viens à la maison, je viens. Je viens, je lui dis que je m'en vais, je lui dis d'accord, bon, je fais telle chose, on se voit demain. À 22h, il écrit donc tu ne me cherches même pas. Je dis que j'étais à la maison et on était dit, oui. Tu vas trouver quelqu'un qui t'aime vrai, sans interrompre. Acclamons le Seigneur comme nous le serons. Bienvenue à l'arche de la viande. Acclamons celui qui vit au nom du Seigneur. J'ai nommé le prophète Ferdinand et pas les saints. Jésus, oh, je t'aime, mon Dieu, Jésus, oh.
Jésus ce soir. Est-ce qu'on va acclamer pour l'arrivée de son éminence, le très révérend Arsène Kanto, l'homme à la voix du lion. Homme de Dieu, nous te célébrons ce soir. Rien que ta présence nous galvanise. Tu es notre bibliothèque. Quand le prophète Kanto parle, il cite les auteurs. Il dit, comme le disait Mike Moudon, on gratte la tête. Et il dit, je cite. Et il cite. Oh là là, là c'est bien. Il a tellement d'auteurs. Vous savez que là où vous me tapez, c'est la lecture. Lui, c'est quelqu'un qui lit les livres et dévore les livres. L'autre, c'est un récitateur de livres. Chacun a son don de Dieu. Nous, c'est l'arabe, nous, c'est l'hébreu, le grec. Chacun a son don. Je suis content de vous avoir comme mes frères. Ça, c'est mes frères. Même si c'est à minuit, je vais chez eux, j'ouvre la porte. Si tu viens chez moi, j'ouvre la porte. C'est une amitié vraie, de plus de 10 ans, 14 ans. Je suis béni de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toi aussi, je suis béni de t'avoir ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je te vois briller, briller comme une étoile qui scintille. Amen. Je vais prêcher et je vais inviter le père de la maison. Parce qu'on doit prophétiser. Amen. Dès que j'avais le prophète Kanto au téléphone, je lui ai dit que il était fatigué. J'ai dit pardon, viens. Oui, quand tu vas venir là, quand tu vas nous voir, la fatigue va finir. Amen. Et j'ai béni Dieu parce qu'il est venu. Que Dieu te bénisse. Amen. Dis mon Père, mon Jésus, ouvre-moi l'esprit pour comprendre ta parole. À cause du temps, nous allons lire dans Genèse chapitre 8, versets 6 à 12. Genèse chapitre 6, chapitre 8, versets 6 à 12. Genèse, chapitre 8, versets 6 à 12. Je lis au nom puissant de Jésus. Au bout de 40 jours, oui. Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, oui. Partant et revenant jusqu'à ce que les eaux puissent sécher sur la terre. Oh. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Amen. Seigneur, ouvre-nous l'esprit pour comprendre la parole. Saint-Esprit, aide-moi à expliquer ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur, sois-toi dans sa présence. Je voudrais rapidement partager sur vos chiens les corbeaux et la colombe. Dis à ton voisin, les corbeaux et la colombe. Le corbeau et la colombe. Oh, ça c'est bien ça, les corbeaux et la colombe. Vous voyez, la vie c'est une science. La vie c'est une science. Et parfois, je prends le temps, pas pour prier, mais pour réfléchir. Pour essayer de comprendre la vie. Il faut jouer le piano, ne soyez pas distrait. Et c'est la mi malo sera. Et c'est la mi-malo sera. Il faut baisser le volume, c'est pas la guerre. On veut entendre la colombe et le corbeau. Quand un célibataire joue au piano, ça donne ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Tiens ton voisin, les corbeaux et la colombe.
Le Seigneur est bon, je vous assure. Le Seigneur. Au début, je me souviens quand mes frères arrivaient, ils voyaient comment je suis avec mes enfants. Quand j'arrive à se dire, oh non, ça, eh hey, non, oh, hey, oh. Ils disaient que non, tu es trop dur. Maintenant, mes enfants sont résistants comme le roc. C'est des guerriers. Ils affrontent les montagnes. Et ceux qui restent sont d'une loyauté indéfectible. Tu ne les corromps pas. Mes vrais enfants, tu ne peux pas les corrompre. Dès que tu arrives, tu commences à parler contre moi, il va te dire que tu as fini. Tu dis non, tu dis bon, bon, tu vas le faire vite passer. Dès que tu finis, je vais l'appeler. Je vais lui raconter tout ce que tu viens de dire. Incorruptible. Tu vois, un de mes enfants, on le corrompt. Ce n'était pas un de mes enfants, c'est un fils de Satan qui s'est dissimulé parmi mes enfants. Mes vrais enfants sont loyaux. Et une loyauté incorruptible. Donc, dans le passage que nous avons lu, je vais prêcher vite et je vais appeler le père de la maison. Parce qu'il y a un ton que Dieu a mis sur lui qui doit exploser ce soir. Le ministère prophétique doit exploser ce soir. Et je voudrais te donner un secret de vie qui peut t'aider à détecter les sorciers. La Bible explique que Noé, lorsqu'il y a eu le déluge, était dans son âge. Et dans l'âge, il y avait tous les animaux de la terre, d'antan, c'est-à-dire d'alors, de jadis, de cette époque. Et ces animaux, après certain moment, après 40 jours de galère, de misère, 40 jours de combat, la Bible dit que Noé a ouvert la fenêtre de l'arche et il a libéré deux oiseaux. Il a d'abord libéré le corbeau. Et la Bible donne une précision sur le corbeau. La Bible dit que lorsque le corbeau est quitté, il partait et revenait, allait et venait, jusqu'à ce que la terre soit complètement sèche. Mais il a lâché la colombe. Et la Bible dit que lorsque la colombe est partie, elle n'a pas trouvé un endroit où poser son pied. Et elle est revenue dans l'arche. Il a tendu la main et il l'a ramenée dans l'arche. 7 jours après, il a libéré la colombe qui est encore sortie. Elle est partie, elle a ramené un rameau. Elle est revenue. Il a pris le rameau et il a compris ce que ça voulait dire. 7 jours après, il a encore relâché la colombe qui est partie et la colombe n'est plus jamais revenue. Pourtant, il attendait. Maintenant, toute ma vie, je m'évertue à étudier le corbeau et la colombe. Vous devez savoir que la vie, c'est un voyage. Et dans ce voyage, nous sommes entourés des corbeaux et des colombes. C'est important que tu comprennes la science du corbeau et de la colombe. Ceux qui ne comprennent pas cette science, ils se foutront dans la vie. C'est-à-dire qu'ils font de déception en déception et puis ils souffrent dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la différence entre le corbeau et la colombe. Ça va, mes fils? Changez de position d'abord, s'il vous plaît. Mettez-vous où vous voulez. Et dans ce passage, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris la sagesse de la vie. J'ai appris à devenir un homme averti, un homme mature. Ce qui détruit l'homme, c'est l'homme. Le diable ne viendra jamais en face de toi physiquement pour te faire du mal. Et Dieu ne viendra jamais physiquement devant toi pour te faire du bien. Toutes ces choses-là passent par les hommes. Et il y a deux catégories d'hommes. Il y a les hommes corbeaux et il y a les hommes colombes. Tu dois faire la différence entre ces deux catégories de personnes. Si tu ne comprends pas la science du corbeau et de la colombe, tu n'en sortiras pas dans la vie. Il y a des personnes qui sont comme des corbeaux dans ce passage biblique. Des gens avec qui vous vivez dans les moments difficiles, ils sont avec vous. Ils ne vous quittent pas. Mais si vous leur donnez l'occasion de vous quitter, de partir, ils vont refuser. Ils vont dire non, je ne peux pas. Ils seront comme le corbeau. Ils sont loyaux. C'est des personnes loyales, des personnes fidèles, des personnes sur qui on peut compter. Je vous ai souvent dit que, pour ceux qui suivent mes prédications, le genre de vie, de succès que tu as, dépend de ton entourage, des gens qui t'entourent. Ceux qui t'entourent sont de quelle race? Les corbeaux ou les colombes, tu dois le savoir. La Bible va dire quelque chose.
Elle dit que le corbeau est sorti, il est revenu, il est sorti, il est revenu. Il travaillait pour Noé. Il partait prendre des informations et il les ramenait à Noé dans l'arche. Il ne s'est jamais séparé de Noé. Quoi qu'il ait eu l'occasion de se séparer de lui, le corbeau est resté fidèle à Noé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que le corbeau s'est dit, cet homme, c'est grâce à lui que je ne suis pas mort. Parce que c'est Noé qui a choisi les animaux. Donc il pouvait laisser le corbeau là pour prendre un autre corbeau. Ce corbeau était fidèle à l'amour que Noé a eu pour lui. Il a dit, je ne peux pas quitter cet homme, je serai fidèle jusqu'à la mort. Et il est resté avec Noé. Mais la colombe, la Bible dit que lorsque Noé a libéré la colombe, elle est partie. Elle n'a pas trouvé où poser ses pieds. Elle est revenue vers Noé. Il y a des gens qui sont avec toi qui ne partent pas parce qu'ils n'ont pas où aller pour le moment. Quand ils tapent le calcul, ils voient que s'ils te quittent maintenant là, leur vie ne sera rien. Donc ils cherchent, ils fouillent où la terre est exposée pour aller atterrir là-bas. Tant qu'il n'y a pas où ils peuvent poser leurs pieds, ils vont te supporter, quoique n'étant pas avec toi. Il n'y a rien de plus dangereux dans cette vie que de marcher avec des personnes qui ne t'aiment pas. Des personnes qui sont avec toi parce qu'ils savent, parce qu'elles savent ce qu'elles gagnent, parce qu'elles ont un intérêt. Des personnes qui ne te donnent pas la valeur qui t'est due. Des personnes qui te méprisent, mais qui sont là parce qu'elles gagnent quelque chose, parce qu'elles n'ont pas encore mieux ailleurs. Il n'y a pas plus grande forme de sorcellerie que ce genre de personnes. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de la vie. Une personne qui est avec toi parce qu'elle n'a pas trouvé mieux dehors, c'est une sorcière. Tu marches avec un sorcier. Et sur le plan sentimental, beaucoup de personnes tombent dans ce piège. L'une des grandes prières de mon cœur, ces derniers jours, c'est Seigneur, je t'en supplie, donne-moi de voir toutes les colombes qu'il y a autour de ma vie. Je ne veux pas marcher avec une colombe. Je ne veux pas entrer dans cette gloire avec une colombe. Je ne veux pas mettre ma confiance dans une colombe. Combien de personnes, regardez, il n'y a rien de plus douloureux que d'être engagé dans une relation amoureuse, sentimentale, avec une femme, avec un homme qui est avec toi parce qu'il attend de trouver une femme plus belle que toi, une femme meilleure que toi, une femme qui va lui donner ce qu'il cherche. Mais comme il ne peut pas rester seul, il te montre qu'il est avec toi, quoi qu'il ne soit pas avec toi, son cœur est à la recherche des terres arides, des terres sèches, où il va poser ses pieds. Dès qu'il trouve mieux que toi, il s'en va. C'est aussi une forme de sorcellerie. Vivre avec des gens qui ne t'aiment pas. Vivre avec des gens qui cherchent à te détruire, mais que tu ne connais pas. Imagine-toi que tu fasses confiance et que tu te confies à ton ennemi. C'est-à-dire à quelqu'un qui cherchait comment te tuer depuis. Il cherchait comment te renverser. Il n'avait pas de moyens. Et il s'est rapproché de toi. Il a fait l'amitié avec toi. Il est devenu ton ami intime. Imagine-toi que ton ennemi intime devient ton ami intime. Mais tu viens de lui offrir ta tête sur un plateau en or, comme la tête de Jean-Baptiste. J'ai souvent dit, homme de Dieu, toute personne qui te dit toujours, si tu as un problème, voici mon épaule, viens pleurer. Tu cherches à pleurer, viens pleurer sur mon épaule. Et tu lui dis tes secrets, il ne te dit jamais ses secrets, c'est un sorcier. Toute personne qui te dit, tu peux me parler, ouvre-moi ton cœur. Hein, Macron, n'aie pas peur, parle-moi. Moi-même, ma mère me donne ce secret. Même ma grand-mère, avant de mourir, m'avait donné un secret. J'ai gardé ça. Tu peux aussi me parler. Une personne comme celle-là, qui ne te dit jamais, ça n'a pas de secret, c'est un sorcier. C'est quelqu'un qui te calcule. Le jour où cette personne va te donner une savate, ou un kakato guéri, ou un mawashi guéri, avec tes propres secrets, c'est avec ça qui va t'enterrer. Personne qui est avec toi au jour de son malheur, tu es présent. Quand il a un problème, il t'appelle, tu pars. Il t'appelle à 5h, tu pars. Et toi, tu as des problèmes, tu l'appelles. Il dit, je suis occupé. Fuis cette personne, c'est une sorcière. C'est une personne qui ne te considère pas. Tu ne peux pas bâtir ta vie en comptant sur ce genre de personne. Vous savez, je suis un homme très averti. Et comme ma mère, ma soeur dit souvent, parfois, je semble être bête.
Comme si je ne comprends rien. Mais je comprends beaucoup de choses. Je fais comme si je ne comprends pas. Un jour, je te surprends que j'avais compris. Parce qu'il y a des gens qui pensent comme je n'avais de mouton à Garoua. Je suis bête comme les moutons. Non, je suis déjà à Yaoundé. Ça fait plus de 20 ans. Donc j'ai appris à me civiliser. Je suis déjà un peu sincère aussi. Non, mes amis, j'ai un ami. Chaque fois que j'arrivais dans sa ville, il m'invitait chez lui, il disait, ok, prophète, viens alors. Et je partais chez lui, on mangeait. Chaque fois que je viens, il dit, viens, il était dans une autre ville. Il dit, viens, je prends la voiture, je voyage, j'arrive chez lui. On mange, on cause, c'est bon. Un jour, je suis arrivé. Il a appris que je suis venu. Il m'a dit, prophète, viens alors. Il y a la table. Je lui ai dit, non, c'est quoi, toi aussi, viens. Il dit, hein, j'ai dit que toi aussi, prends le train, tu viens aussi. Pourquoi j'ai fait ça? Je voulais comprendre l'importance que j'avais pour lui. Un ami que tu visites toujours, je l'ai dit souvent ça. Un ami que tu visites toujours, lui ne te visite jamais. Quand il y a quelque chose, il te dit, viens à la maison, viens à la maison. C'est un sorcier. Il te méprise. Il ne te respecte pas. Il se croit supérieur à toi. Il pense que tu ne mérites pas que lui se déplace pour aller chez toi. Quand je lui ai dit de venir, il a trouvé une excuse. Il n'est pas venu. J'ai compris. Et j'ai dit que je ne peux plus jamais aller là-bas. Vous savez que je n'aime pas trop la guerre. Je n'aime pas la guerre. Je n'aime pas les problèmes. La Bible dit que sera fait comme tu as fait. Tu allais chez un ami. Je vais chez un ami. Je vais chez un ami. Tu allais prêcher dans son église. Il me dit de prendre le taxi. Je lui ai dit que mon frère annule le programme, je ne viens plus. J'ai dit que je l'attends. Le jour où je vais l'inviter, je vais envoyer le taxi le chercher. Si tu ne t'imposes pas, personne ne va te respecter. Ne permets à personne de te dévaluer. Est-ce que vous comprenez? Ne permets à personne de te dévaluer. Si les gens ne reconnaissent pas ta valeur, montre-leur ta valeur. Si les gens ne veulent pas connaître ta valeur, dis-leur ta valeur, dis-leur combien tu coûtes. Dis-leur combien cher tu coûtes à Dieu. Combien cher tu as tellement coûté que Dieu a sacrifié son fils, Jésus-Christ sur la croix, pour mourir pour toi. Tu es tellement cher que Jésus a mouru et moi pour toi. Ne permets à personne de te faire oublier cela. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, tu n'as pas besoin des colombes autour de toi. Tu n'as pas besoin des personnes qui t'exploitent. Si tu es entouré des gens qui profitent de toi, tu n'iras pas loin. Et vous ne pouvez pas réussir dans cette vie si vous êtes mal entouré. Fais attention, demande toujours à Dieu. Oh Dieu, révèle-moi les cœurs de ceux qui m'entourent. Un jour, j'ai fait une prière comme ça. J'ai dit à Dieu, révèle-moi les cœurs de ceux qui m'entourent. La nuit, Dieu m'a aligné tous ceux qui habitaient ma maison à l'époque. Dieu m'a dit, tel, voici ce qu'ils pensent de toi. Tel autre, voilà ce qu'ils pensent. Et les pensées étaient des pensées méchantes. Mais le matin, quand je me levais, le sourire était là. Daddy, daddy. Donc, il disait même plus daddy. Il disait, daddy. Mais les cœurs étaient contre moi, mes amis. C'est pas parce que les gens sourient avec toi qu'ils t'aiment ou qu'ils veulent ton bien. J'ai dit à quelqu'un que je connais tous ceux qui sont à Réma en mission contre moi. I know you. Il y a cette élection-là depuis des années. We know you. When we look at you like this, we know you. C'est pas parce qu'on ne parle pas comme ça, on ne parle pas comme ça. Eh, tu vas, non, non. Nous connaissons. Dieu nous a donné la maturité. Je pensais avec le prophète comme toi, il allait quelque part. Avant d'arriver dans cet endroit, il a eu un songe le matin. Lorsqu'il m'a raconté le songe, je lui ai dit, mais Dieu t'a montré ce qui allait se passer avant le temps. Et je lui ai dit, nous sommes privilégiés. Nous vivons les événements avant que les événements n'aient lieu. Nous sommes des prophètes. On est bénis d'avoir Jésus, mes amis. Il n'y a rien de majeur qui arrive dans ma vie sans que je ne le sache. L'une des grandes prières que je fais devant Dieu, Seigneur, si quelqu'un est une mauvaise personne, qu'elle ne résiste pas dans ma présence. J'ai eu à demander à Abinadab, il lui a demandé, ton cœur est-il droit envers moi?
comme mon cœur est droit envers toi. Il n'y a rien de plus mauvais que lorsque tu te confies à des personnes dont le cœur n'est pas droit envers toi, comme ton cœur est droit envers elle. Il n'y a rien de plus dangereux dans ta vie que d'être entouré de personnes dont les cœurs ne sont pas vrais envers toi, comme ton cœur est vrai. Que Dieu expose tous les colonnes de ta vie au nom de Jésus. Que Dieu les expose dans le nom de Jésus de Nazareth. Le monde a changé, mes amis. Le monde a beaucoup changé. Il y a plus de colombes aujourd'hui que de corbeaux. Les personnes loyales sont devenues rares. Des personnes qui t'aiment pour ce que tu es, sans chercher des intérêts derrière toi, elles sont rares. J'en sais quelque chose, mes amis. À une certaine époque de ma vie, j'étais tellement traumatisé par la méchanceté de ceux qui m'entouraient. Qu'un jour, j'ai pris ma valise, un 1er janvier, homme de Dieu. J'habitais avec des gens. Tu te soucies des gens. Dès que quelqu'un est malade, immédiatement, va à l'hôpital. Tu sors des centaines de mille. Tu donnes à la personne, tu la prends dans la voiture, tu l'amènes à l'hôpital. Mais le jour où tu dis que tu as mal à la tête, personne ne te demande ça va comment, tu te portes comment. On s'en fout de toi. On s'en fout éperdument de toi. Un jour, j'ai donné, j'ai pris 1 million, j'ai donné à quelqu'un. J'ai dit, tiens, va changer ta garde-robe avec. La personne me dit merci. Le soir, du même jour, la personne me rappelle ses 25 000 qu'elle a dépensé au marché en partant faire la ration, qu'elle a ajouté ses 25 000, que je lui rembourse ses 25 000. Donc, ça m'a tellement choqué. J'étais hurluberlué, j'étais éperlué, j'étais luluberlué, au point où je me suis levé sans parler, je suis monté dans ma chambre et j'allais me coucher. J'étais dépassé. Le lendemain matin, j'ai demandé à la personne, moi j'étais donné 1 million. Je n'ai jamais pris 25 000 entre tes mains. Je n'ai pas de preuve qu'au marché, tu as vraiment dépensé. J'ai vécu avec des gens qui me volaient, des enfants de Dieu, dans ma maison, qui me volaient. Et ça a affecté ma vie, affecté ma santé. Il n'y a pas une histoire de prophète ou d'apôtre. Personne ne peut s'épanouir dans un environnement où il est entouré des colombes, des mange-mille, des chacals, des personnes qui rongent ta vie, rongent ta provision. Dès que tu as massé, personne ronge. Leurs yeux sont sur tes biens, plus que toi-même. Le 1er janvier, le temps arrive, je donne l'argent de fête à tout le monde dans la maison. Bien-aimé, mon anniversaire, personne ne me souhaite joyeux anniversaire. Le 1er janvier, personne ne me souhaite bonne année. Ce 1er janvier, je suis sorti, j'ai pris ma valise. Parfois, quand on me demande quel est ton plus grand ennemi, ta plus grande peur, ce que tu redoutes le plus, je dis c'est la solitude. Être entouré de beaucoup de personnes ne veut pas dire que tu es accompagné. On est entouré de beaucoup de personnes, mais de quelle qualité de personne? C'est ça le problème. J'ai pris ma valise. Je suis sorti sans dire au revoir chez moi. Je ne savais pas où je partais. 1er janvier 2022, je ne savais pas où je partais, homme de Dieu. J'étais brisé par l'ingratitude de ma maison, les gens de ma maison, par la méchanceté des cœurs. On me volait, ça dit que quelqu'un ne craint pas que je suis un prophète. Je mets l'argent au vol. On avait un culte familial. J'avais une caisse où je mettais l'argent. Et le samedi, je pars dans la caisse pour préparer mon offrande familiale. J'ouvre la caisse, il n'y a pas 5 francs. Dans ma chambre, il n'y a pas 5 francs. Après, je me dis, peut-être que j'hallucine. Ou comme j'oublie là. J'ai dit non, attends, j'ai laissé l'argent, c'est ici que je mets souvent l'argent. Je suis allé, j'ai dit à la maison que c'est comme si quelqu'un a volé l'argent dans ma chambre. Le soir avant de dormir, non, le matin avant d'aller à l'église, j'ai dit que je peux encore voir. Quand j'arrive, avant de se lever, l'argent, quelqu'un est venu remettre ça, il était tellement pressé que ce n'est pas entré. L'argent était suspendu en l'air.
C'est le jour-là que j'ai compris que je suis entouré, il y a des voleurs dans mon entourage. Comment quelqu'un peut voler un homme de Dieu comme moi? Les colombes, les sorciers. Et je leur ai dit, quiconque a volé dans ma maison est maudit. Et la vérité, c'est que tous ceux qui se sont impliqués dans une telle activité ont des problèmes, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Et ceux qui sont vivants sont nombreux d'eux-mêmes. Je leur dis souvent à mes enfants, aujourd'hui à la maison, je leur dis, je laisse ma chambre ouverte. Parce que je fermais toujours ma chambre. Mais les gens réussissaient à entrer pour voler. Qu'est-ce que j'ai fait à la fin? J'ai laissé ça ouvert. Ça ne servait plus à rien, je sortais, laisse la chambre ouverte. Quand je passe, j'ai dit la porte est ouverte. Mais je leur ai dit, sachez qu'il y a un ange de Dieu dans ma chambre. Tous ceux qui entrent dans ma chambre, qui sachent, j'ai pris ma valise, je suis sorti, je n'avais pas où aller. Notre malheur, c'est ça. On n'avait pas où aller. J'ai pris la valise, j'ai pris ma voiture, moi-même j'étais au volant. J'ai conduit jusqu'en ville, j'ai vu un hôtel. Je suis entré dans cet hôtel, j'ai pris une chambre là-bas. Je suis resté peut-être une semaine à l'hôtel. J'ai découvert des appartements meublés, quelque part. J'ai pris. Et j'ai découvert que dans les appartements meublés, il y avait aussi des appartements non meublés qu'on pouvait louer par mois. J'ai pris ça. J'ai pris un appartement là-bas. J'ai payé un an. Je suis allé, j'ai acheté le lit, j'ai acheté tous les meubles. J'ai meublé ça. Je suis resté 3 mois dehors. Je fuyais ma propre maison, mes amis. Je fuyais ma maison. Parce que chaque fois que j'arrivais dans ma maison, je sentais comme si l'AVC me cherche. C'est-à-dire le sang, la pression. C'est-à-dire que vous vivez avec des gens pour qui vous mourrez. Mais le jour où vous avez des problèmes, personne, tu es couché dans une maison, tu es malade, personne ne demande, papa, c'est comment? Personne n'a jamais enlevé 5 francs pour me dire, ok, regarde. Quand je passe comme ça, il y a des gens qui se fâchent, ils me disent que non, il ne faut pas parler comme ça. Alors moi, je parle la langue dans la poche. J'ai un mal de la poche, vous parlez là, dis pas, parle. Je parle. Après passer, je parle ensemble de cravate à la maison, il n'y a pas de problème. J'ai dit non. Je suis un prédicateur. Changez. Non, mes amis. Les colombes. Le genre de ton entourage. Peut soit faire que tu vives longtemps ou tu meurs tôt. Ne jouez pas avec. Si une relation t'empoisonne, fuis. Si tu sens qu'une relation t'empoisonne, c'est-à-dire qu'il y a des moments où un jour je rentrais de toi là comme ça, j'ai senti que l'AVC n'était pas loin de moi. Je me suis arrêté à Idea, à l'hôtel. Je me suis couché, je dis aux enfants, je dois dormir un peu. Parce que quand je repensais au mal qu'on me faisait vivre, mes amis, c'était fort sur ma vie. Les colombes, elles sont dangereuses. Elles sont là pour te sucer. C'est des sangsues en fait. Les mauvais entourages. Et un jour, il fallait que je prenne une décision finale. Quelqu'un m'a dit un jour, que mon frère, toi tu fuis ta propre maison comment? Ça dit que je rassure dans une maison, parfois on prépare, on m'oublie. Oui, parfois je rentrais de Pertois. Je rentre, on sait que je rentre. Ça c'est après la mort de la maman de Mima. Je rentre de Pertois, j'arrive à la maison. On a eu peut-être 1 heure. Mon fils, lui connaît un peu, Armand. 1 heure, 2 heures, il n'y a pas à manger. À 1 heure, 2 heures, on reprend la voiture avec Armand. On va en ville pour chercher un restaurant pour trouver à manger. Et un jour, j'ai dit, je pense qu'il est temps de couper les têtes des colombes. Et j'ai pris la décision. Comment vous pouvez vivre avec des gens à qui vous parlez de Christ, qui voient la main de Dieu chez vous, mais ils vous volent? Comment, mes amis? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Comment quelqu'un peut oser voler où je suis? Et le jour où tu apprends le mal qu'on dit sur toi, parfois je restais et dis, mon Dieu, je suis où comme ça? À un certain moment, comme ça n'allait pas, quand
Quand je vous dis ça, je ne blague pas. Je fuis ma maison pendant 3 mois. Je passais plus d'un mois. Personne ne savait où j'étais. C'est le 3e mois que j'ai dit que mon ami, je souffre pour construire la maison, je fuis. La malédiction est brisée aujourd'hui. Quand je suis arrivé, j'ai dit que chacun cherche sa route. Tout le monde prenait vos valises, partait. Que chacun prenne sa valise. Chacun prend sa valise. Que chacun prenne sa valise. Parce que je suis parfois difficile à prendre des décisions. Très difficile, à cause de mon cœur. Parce que je me dis non, j'ai pitié même de ceux qui me font mal. Quand quelqu'un peut me poignarder, je suis en train de mourir, je dis non, non, si je le poignarde, il aura mal. Pourtant, le gars dit mon Dieu, j'ai ma part. Au lieu de poignarder aussi, je dis que non, il aura mal. Donc, il dit que reste là, tu as pitié de lui, non, non, on va t'enterrer. Et parfois, je m'en sors étant complètement blessé. J'ai été trahi. Je suis à la maison, tu entends ce que les gens de ta maison racontent dehors sur toi. Et quand ils arrivent, Daddy. Mais je bénis Dieu parce que ces choses-là nous ont fait grandir. Et on est encore devenus des hommes, des soldats, des guerriers. C'est ça que maintenant, tu viens dans mon entourage, on soupçonne seulement le vol, je te chasse. Il y a des choses que je ne peux plus accepter qu'un homme me fasse subir sur cette terre, jamais de la vie. Je ne suis plus ami des sorciers, je ne vis pas avec des sorciers, non. Quand Dieu te donne de bonnes personnes, vous savez mes amis, si je vis avec un enfant, tu voles, notre histoire s'arrête là-bas. J'ai un de mes fils qui a failli voler. Il n'a pas volé, il a failli voler. Il a eu l'intention de voler, mais après il s'est repenti, il a repris la chose, il est venu me déposer. Et je lui ai dit que tu es licencié. Il dit pourquoi? Il dit, je n'ai pas volé. J'ai dit, mais tu as failli voler. Et puis ses collègues sont venus me voir, ils m'ont dit, papa, t'as dit pardon, il faut le reprendre. Je leur ai posé une question. Vous connaissez qui dans ce ministère qui a volé et qui est toujours avec nous? Eux-mêmes, ils ont tapé le lissage, ils ont commencé à vous voler, ils ont fait le calcul. Ils ont dit, ok. De ceux qui ont volé quand j'étais là, n'est plus resté au milieu de nous. Ils ont dit personne. J'ai dit pourquoi lui, donc il va faire la différence. Laissez-le partir. Parce que si quelqu'un te vole, il peut te tuer. Celui qui te vole, c'est parce qu'il convoite tes biens. Et il n'y a rien de plus dangereux que de vivre avec des gens qui comptent tes biens plus que toi-même. Parce que ces gens-là, si tu entends leur prière, Seigneur, tue-le. Il va mourir quand? Pourquoi il vit aussi longtemps? La voiture là c'est ma part. Je prends possession de la voiture. L'autre a dit je prends possession du salon. L'autre a dit le lit c'est ma part. Il se partage tes biens pendant ton vivant. Celui qui te vole peut te tuer. Si quelqu'un te vole, il peut t'empoisonner. Faut faire attention mes amis. Les colombes sont dangereuses. La colombe est partie. Si elle trouvait où mettre le pied, elle reviendrait. Vous savez, j'ai une cuisinière à la maison qui a signé son arrêt de mort aujourd'hui sans savoir. J'ai fini avec. La vie nous a pris la sagesse. Quand je vois venir le danger, je coupe. Hein? Je. Oui. Je suis prévoyant maintenant. Il y a des douleurs que j'esquive. Dès que je te vois venir, je sens qu'il y a quelque chose. Tu m'as fait exploser une bombe. Je te tue. La Bible dit que tu n'as pas de chute. Donc, quand tu es là, ça dit qu'il te chasse. La cuisinière. Je l'envoie au marché, fais le marché. Elle ne ramène pas le reste d'argent. Parce que si tu fais le marché, une fois, deux fois, trois fois, soit l'argent va rester, soit rien ne va rester, soit ça va manquer. Mais si tu ne pas faire le marché, l'argent. Suivi toujours net. Moi, c'est un technicien qui travaille pour toi. C'est un voleur, c'est un sorcier. Il te vole. Donc, je l'ai envoyé. Elle fait le marché. Elle ne me ramène rien. J'envoie encore. Un jour, je demande. Elle me dit la ration, c'est 100 000. J'ai dit, donnez-lui 150 000. En 250 000, elle part. Elle fait le marché, elle revient. De main vite. 2 jours, 3 jours, je lui dis, écoute,
Quand tu as fait le marché, là, tu dis 100 000, j'ai 250 000. Au lieu de cet argent, elle dit qu'elle a travaillé avec. Qu'elle a acheté les choses avec, elle a complété. Les choses, elle dit, ok, sors-moi la liste des choses que tu as achetées. Elle dit qu'elle a perdu la liste. Elle dit, ok, pas de problème. Je lui ai donné une mise à pied d'abord. Elle a fait une semaine dehors. Quand elle est revenue, elle me dit aujourd'hui, elle me dit, ah, j'ai postulé au Nigeria pour un travail là-bas. Donc j'ai réussi à partir d'un moment à l'autre. Il dit, ah bon? Elle dit oui. Il dit, ok, je prie que le Seigneur t'accorde le désir de ton cœur. Que tu ailles. Puisse l'Éternel te rendre grand. Puisse l'Éternel faire de toi dans ta famille un grand arbre. Un arbre redoutable. Elle a dit, merci papa. Vous savez, le président, l'autre. Et vous le connaissez, non? Aladdin. Le président Aladdin. Quand tu fais quelque chose contre lui là, devant les gens, il dit, ah non, non, ça va, c'est rien. Ah, c'est que tu as fait là, je te pardonne. Tu vas en paix. Et tu vas y regarder son colonel, suis-le. C'est ce que David avait fait à Salomon. Pourquoi, mes amis, écoutez, tu as besoin de connaître le cœur de ceux qui t'entourent. Prends ça comme un sujet de prière aujourd'hui. Dis, mon Dieu, révèle-moi le cœur. Lorsque vous vivez avec un homme, 5 ans, 10 ans, et il ne vous épouse pas, il va épouser une autre femme. Vous pensez que le dessin là, il n'avait pas dans son cœur depuis des années? Hein? Vous pensez qu'il n'avait pas ce dessin depuis des années? Tu rencontres une femme, tu investis. Elle va te dire que je ne t'aime plus. Elle va regarder un autre homme. Tu apprends qu'elle avait quelqu'un. Tu penses que le dessin là, il n'avait pas ça dans son cœur depuis? Elle était avec toi, mais elle attendait une plus belle occasion que toi. Ne marche pas avec une personne qui te prend comme une opportunité. C'est une autre catégorie de sorciers. Dès que tu te rends compte que quelqu'un marche avec toi et il t'aime pour ce que tu as et non pas pour ce que tu es, chasse la personne de ta vie. C'est un corbeau. C'est une colombe. Le jour où la personne va trouver mieux, la personne va t'oublier. Elle va t'oublier mais en t'insultant, en se moquant de toi. En disant que tu as même donné quoi, tu es même qui a fous moi le camp. Tu vas la venger, tu l'appelles. Chérie, elle dit à chérie de qui est là avec ta grosse tête main d'abord, chérie, moi. On se connaît où? Les bons noms, on va prier. Dieu doit exposer les colombes ce soir. Dis mon père, mon père. Est-ce que tu veux prier avec moi ce soir? Qui veut prier? Dis mon père, mon père. Oh Dieu. Je n'entends pas de feu ici, je n'entends pas de feu, je ne sens pas de feu. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Oh Dieu. Expose les colombes de ma vie. Toute personne dans ma vie qui n'est pas sincère, qui n'est pas sérieuse, laisse-moi exposer. Ouvrez la bouche, commence à prier. Les colombes doivent être exposées. Pour ceux qui ne sont pas sincères envers moi, pour les colombes. Je ne sais pas de ma vie. Et cela ne me rappelle cela. Sera memorável no dia novo, fará-se ali. Oh, agora mesmo, se agora memorável será aí. Oh Jésus, merci Père. Tante Maï, wa inno taluka wa anno bros, in framina arnotamen et tao, zarotamina. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen.
tends ta main vers moi. Dis, mon père, expose les ennemis cachés de ma vie. Les ennemis cachés de ma vie. Toute personne qui pratique la sorcellerie, qui pratique la sorcellerie, qui me hait, qui me hait, qui souhaite ma chute, qui souhaite ma chute, expose-la, 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 expose-la. Ouvre la bouche et prie que Dieu les expose ce soir. Seigneur, je veux marcher. Ceux qui veulent ma chute, ceux qui veulent ma destruction, je vais te suivre. Expose-la. De la barque, marcher comme toi. Je vais te suivre au-delà de la mer.
te suivre hors de la barque. Autorité sur les eaux de ma vie. Sur les eaux qui m'ont noyé. Donne-moi autorité. Au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Qui amène cette foi à ce Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ce soir? Je veux marcher sur les eaux en volontaire. Je vais te suivre hors de la barque. Marcher comme l'étoile. Qui a un rapport avec ce comme Batcham? Qui a un rapport avec Batcham? Comme Batcham? Batcham, c'est qui? Venez voir. Qui a un rapport avec Bango? Bango. Hein? Bango. Bango Jesus. Qui a rapport avec Bango? Batcham Bango. Hein? Batcham Bango. Hein? J'ai vu une femme, je l'ai appelée de Reverend pour faire ma chère ici, nous allons prophétiser ensemble. C'est une soirée terrible. C'est une soirée terrible. J'ai vu une femme qui a connu un monsieur qu'elle a beaucoup aimé, qu'on appelait Nicolas. Mais elle l'appelait Nico, Nico, Nico. Je voudrais prier pour elle. C'est qui a vécu avec un monsieur qu'on appelait Nicolas. Mais qu'on appelait Nicolas. Reste entre nous, s'il vous plaît, pour ne pas tuer la mousse. Là, ça va permettre qu'on vous aide. C'est qui? Je veux marcher. Ah, sur les eaux, comme le temps. Je vais te suivre. On te la barque. Marcher comme le temps. Qui a connu un monsieur qu'on appelait Nicolas? Ça, c'est une relation longue date. C'était qui, Nicolas? Hein? Donne-le le micro. C'était qui, Nicolas? C'était une amie, on avait fait presque 3 mois. Après avoir sorti de l'école de l'ingénieur, après une déception. Après? Une déception. Je l'ai fait avec sa connaissance 3 mois après. Je suis quitté de moi. Il s'appelait comment? Nicolas. Nicolas, d'accord. Il avait une Il a fait? Oui, il n'y a rien pas. Il n'y a rien pas. Mais si tu ne recevras pas le problème là-bas, on va prier. Il n'y a pas de problème. Je veux marcher sur les eaux comme l'étoile. Je vais te suivre hors de la barque. Marcher comme l'étoile. Vous, c'est bambou, c'est où? Bambou. Batcham. Bambou.
c'est proche. Le village voisin, Bachambambo. Hein? Bachambambo. Hein? C'est pas voisin. Bachambambo. Ok, attendez, attendez. Chut, s'il vous plaît, ne nous distrayez pas. Comme les jeunes. Qui a connu un gars qu'on appelle Simplice? C'est qui? Simplice. On l'appelait comment? Simplice. Il est où maintenant? Il est à Marwa. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre vous et lui? C'était une relation amicale. Il ne vous aimait pas. Il m'a jamais déclaré cet amour. Et vous, vous avez déclaré? Non. Vous le prenez comme un frère. Là. On se soutenait. On se soutenait quand j'avais des problèmes de situation. Et moi, vous étiez aussi dans ce vous étiez moralement fiancé. Là, c'était le corbeau. D'accord. Bacham Bangou, c'est où? Déjà, le Bacham, c'est où? Et Bangou. Hein? Bangou, comme ça. Bacham, ici. Bacham, ici. Si tu reçois quelque chose, tu reçois. Je vois cette femme avec des problèmes avec une voisine. Une voisine qui te rend la vie difficile. Oui, papa, vérifiez. Une voisine qui vous rend la vie difficile. C'est un sujet de prière que vous avez. Et vous soupçonnez même que certaines choses qui arrivent à vos enfants, elle est responsable de ça. C'est l'un des sujets de prière que tu as amené ici. Que Dieu te délivre des tourments de ta voisine. Terrorise les enfants de Dieu. Le feu de Dieu descend sur eux. Si tu dis un amen comme le tonnerre. Madame Sia, vous avez dit que vous êtes infirmière, c'est ça? Vous êtes infirmière. Qui a une robe blanche à côté de vous? Qui a une robe blanche aussi à côté de vous? Qui est infirmière? Vous faites dans la santé, vous aussi, allez comme ça. Est-ce que quelqu'un va chez vous? Jésus! Quand tu demandes, oh, yes. Elle hésite. Yes. Elle hésite. Oui, parce que quand elle a demandé, elle a dit que vous avez demandé un nom là. Hein? Le nom Nico. Nico. Elle a dit que vous êtes connu hein, dans le corps médical. Directement, quand celle-ci parlait, je voyais quelqu'un qui fait dans la santé aussi. Et vous avez fait dans la santé. D'accord. Homme de Dieu, vas-y. Vas-y, homme de Dieu. Non, vas-y, vas-y. Vas-y, homme de Dieu. J'aime le voir prophétiser parce qu'il a une violence prophétique redoutable. Et ces jours-ci, nous voulons voir ça ce soir. Prophétise, on va en parler. Merci. On va revenir. Elle a dit que c'est plus qui au nom. Vous dites qu'il peut, il pourrait être au nom. Vous avez fait dans la santé. Donc vous avez fait dans la santé. Ok, d'accord. Mais on fait dans quoi? Je suis dans la santé, je suis auxiliaire de pharmacie. L'Esprit de Dieu vous a localisé. Amen. Il faut commencer à vous réjouir. Amen. Parce qu'il y a une restauration qui est en train de venir devant vous. Essayez de demander les gens de Bacham. Bacham, pour prier, pour détruire un hôtel dans votre village. Amen. Yes. Amen. Oh, Jesus. Amen. Amen. Et je vais révéler quelque chose sur Bacham que vous ne connaissez pas. On va prier pour ça ce soir. Yes. Oh,
L'Esprit de Dieu m'a amené dans votre village et j'ai vu ce village. Mon esprit a commencé à se promener dans votre village. Par exemple, je ne sais pas où ça se trouve, mais l'Esprit de Dieu connaît la cartographie du Cameroun. Et quand je suis arrivé dans votre village, quand j'arrive dans ce village, je vois une route, mais c'est la terre rouge. C'est la terre rouge. Je prends la route si elle va à l'entrée de Batiam. Lorsqu'on arrive, la route aboutit à un grand carrefour où il y a un marché. Et je vois le marché. Et je vois le marché avec des boutiques au bord de la route. Au bord de la route. Et je vois les jeudis comme un jour de marché où les gens viennent de partout pour vendre dans la ville de Batiam. Et puis il y a une colline, on monte. Et il y a des grands arbres que je vois. Il y a des grands arbres. Des arbres d'eucalyptus. Voilà les eucalyptus élevés. C'est une colline qui va à la chefferie. Et quand on descend la colline, on prend un peu à droite, on va vers la sous-préfecture. Et l'Esprit de Dieu m'a amené dans le village, vers la chefferie. Quand je suis arrivé dans la chefferie, l'ange de Dieu me fait arrêter devant la chefferie. Il y a une grande maison. Il y a une maison comme ça. Mais c'est une entrée. C'est une maison. Il y a une barrière. C'est une maison. L'on traverse, on entre à l'intérieur. Il y a une route de là avec une maison. Et je vois le toit de la maison. J'étais sur quatre côtés comme ça. Et le toit est vieux. C'est un peu rouillé. C'est les anciens tôles de l'époque coloniale. Et l'Esprit de Dieu me montre. Et j'entre ici, c'est une véranda. On monte à l'entrée de la chefferie. Il y a des grands poteaux. Et on traverse, on est à l'intérieur. Quand je suis arrivé, j'ai vu un trône. J'ai vu une chaise. J'ai vu un roi assis dessus. Mais le roi s'y a hérité de son père et son père a hérité de son grand-père. Et à l'époque du grand-père, du roi présent, il y a eu quelqu'un parmi les notables qui n'était pas une bonne personne. Qui a passé sa vie à dire des incantations sur tous les habitants de Batiam. J'ai vu quelqu'un qu'on appelle comme Tchoupo, quelque chose comme ça. Tchoupo. C'était un notable puissant, redoutable dans la ville de Batiam. Et le Seigneur m'a dit de prier pour déterrer ce qui a été enterré. Je prie que l'ange du Seigneur descende à Batiam maintenant. Quel hôtel qui a été bâti contre les habitants de Batiam soit déraciné au nom souverain de Jésus. Amen. Que cet hôtel soit déraciné. Amen. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Qui a vécu à Batiam par le péché? Qui a mis l'eau à Batiam? Qui a mis l'eau à Batiam? Qui était récemment à Batiam? Qui a mis l'eau à Batiam? Qui connaît un peu bien Batiam? Qui connaît bien Batiam? Qui connaît Batiam? Vous connaissez bien Batiam? Actuellement, vous connaissez Batiam? Plus âgé. Hein? Vous connaissez bien Batiam? Vous avez maman, il y a une chose, je veux vous dire. Regardez. Je veux marcher sur les eaux comme le toit. Je veux te suivre hors de la barre. Marcher comme le toit. Vous voyez? Lorsque l'Esprit de Dieu m'a ramené dans votre village,
au marché. Au marché, quand on traverse le marché, on a en train de traverser le marché, c'est une colline. Il y a une colline qu'on entame. En entamant la colline à droite, il y a un salon de coiffure à dont je parle. Il y a une jeune fille là-bas qui a un salon de coiffure en blanche, qu'on appelle Christine. C'est une coiffeuse. Elle coiffe à partir à l'heure où je parle. Son salon de coiffure est au marché. C'est l'un des salons de coiffure les plus fréquentés dans votre village. À l'heure où je parle. Où son salon de coiffure est établi là. Il y a eu des sacrifices qui ont été faits là-bas. Il y a des choses qui ont été enterrées là-bas. Contre la royauté de Batian. Parce qu'il y a eu des conflits énormes dans la chefferie de Batian. C'est vérité! C'est pas vérité! C'est vrai! Hein? C'est vrai, papa! On a tué le chef, papa! C'est vrai, papa! On a tué. Oui, papa, on a tué le chef. Là où le salon de coiffure Christine se trouve, on a fait des incantations là-bas contre le trône de Batian, contre la royauté de Batian. Appelez Batiam, qui est au marché, qui regarde le salon de coiffure de Christine. Qui ont prié sur ça, qu'on enlève le salon là, qu'on enlève ça, on déterre le sol là, on prie que les enfants de Dieu à Batiam prient pour briser ce qui a été fait et dit qu'on a fait. Et c'est votre délivrance au nom de Jésus. Je veux te suivre hors de la vague, marcher. Je vais marcher par haut, ciel sur son monde et toi. Je vais te suivre, hors de la barque, marcher. Si quelqu'un dans la salle reste debout, je viens d'avoir une vision massive pour tout le monde. Amen. Amen. J'ai vu subitement un grand arbre qui a poussé et a couvert ce bâtiment, un grand arbre, avec des fruits. Amen. Et ces fruits, je vois des fruits qui portent des noms, je ne connais pas peut-être ton nom là où tu es. Et l'ange de Dieu dit, secoue l'arbre, laisse tes mains que les fruits tombent sur tes mains. Je secoue cet arbre. Amen. Et avant que je prophétise, le prophète va secouer cet arbre. Amen. Des fruits mûrs. Amen. Avec des noms des hommes déjà écrits. Amen. Je vois sur les fruits des visages. Amen. Je vois des mariages, des alliances. Amen. Je vois des percées et des faveurs. Ça tombe sur toi. Nous secouons cet arbre au nom de Jésus. Amen. Nous secouons cet arbre au nom de Jésus. Amen. Les fruits remplissent ta vie maintenant. Amen. La bénédiction, amen. L'élévation, amen. Le miraculeux, amen. La grâce, amen. La restauration, amen. Le mariage. Amen. Reçois au nom souverain de Jésus. Amen. Reçois au nom souverain de Jésus. C'est lui qui dit Amen comme le tonnerre reçoit la gloire. Je voulais parler de votre voisine. À cause du temps, on va aller très vite. Je vois une maison avec une pente. Lève-toi, madame. Je vois une maison qu'on a tolée avec une pente. Oui, papa. Une seule pente. Oui. C'est la maison de qui? Une pente. C'est là où on loue. C'est là où vous louez. Oui, c'est une pente. Oh, yeah. C'est une pente. Oui, et on a mis des arbres de paix à côté comme ça. Oui. Et il y a votre voisine qui vous cause des ennuis. C'est une guerre ouverte. Oui, papa. C'est une guerre ouverte. Oui. Elle vous déteste. On ne parle même pas. Vous ne vous parlez même plus. Papa. On ne peut pas dire pas, vous ne vous parlez plus. Oui, papa. Au départ, quand vous êtes arrivé dans le quartier, vous parlez. Normalement, on parlait bien. C'est papa. Une sorcière en fait. Hey! Hey là! Fais la juste à tête, papa. Non. La fessie va arriver à la CPI. La fessie va arriver à la CPI. Qui est ton Chris? Chris, quelque chose comme ça. Ton neveu s'appelle Chris. Dis à ce que quelqu'un veut célébrer Jésus. Je suis entré dans la vie de cette maman, j'ai vu Jean. Hein?
frère. Il s'appelle comment? Hein? Jean-Paul, votre frère. Les gens font comme si c'est passé. Je vois une maison construite avec une pente. C'est ça, papa. Hein? C'est ça. C'est la maison de qui? C'est ma maison. Voilà. Oh yes. Jesus. On doit prier pour le ventre de quelqu'un. On doit prier pour le ventre de quelqu'un. Hein? On doit prier pour le ventre de quelqu'un. On doit prier pour les enfants. Pour quelqu'un. Hein? Pour mes enfants, papa. On doit prier pour le ventre de quelqu'un. On doit prier pour le ventre de quelqu'un. On doit prier pour le ventre de quelqu'un. Professeur, vas-y, prophète. Le Seigneur sort sous l'inspiration du temps de prophétie. Je veux te rendre là-bas. Qui a fait l'école normale? Ton mari a fait l'école normale. Jésus est bien du nord. Comme ça là, Dieu m'a demandé, demande-lui. C'est pour dire que ta maison vient de te visiter. Je vois un enfant qui était mort. Et je vois, on est en train d'accuser quelqu'un d'avoir tué un enfant. Jesus. Dans votre famille, je vois un enfant. J'ai perdu mon grand frère. Vous avez perdu votre grand frère. Mais je vois un petit enfant qui est mort et on est en train d'accuser quelqu'un. Laissons d'abord ça, on revient à quelque chose. On conteste votre mariage. On ne veut pas qu'il t'épouse. On ne veut pas qu'il t'épouse. On conteste le mariage. Il m'a épousé même. Les gens refusent le mariage là jusqu'à présent. C'est entre vous deux seulement. C'est quand même, je veux dire, il dit que il a fait expliquer que le mariage est sur la main de Satan intérieur. Il y a une conversation. Tellement, dès le début. C'est ça, n'est-ce pas? Tellement. Et ce que l'homme de Dieu explique, c'est que à leur présence, vous êtes à côté, votre mari à côté, vous êtes à côté de la maison, vous n'êtes pas dans la maison. C'est ce qui se vient, parce que moi je l'ai même laissé survenir, moi qui suis. D'accord. C'est ce que l'homme de Dieu est en train de vous expliquer. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tellement vrai. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Je veux des enfants. Vous voulez des enfants? Oui. Demandez d'abord la restauration. Vous voulez la restauration à votre mari? Oui, je veux ça. Vous voulez que votre maison se réconcilie? Oui, il n'y a pas assez. Attendez, vous venez du nord, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, papa, je suis venu. Oh, vous venez du nord, votre oui, mari est où? Je suis arrivé ce matin. Votre mari est où? Il est nord. Il, hein? Il est du nord. Votre mari est du nord. Oui. Il est où? Il est dit. Il est dit? Dit. Il est dire. Oui, il est ok. Dit. Donc vous l'avez laissé là-bas, vous êtes venu ici. Oui. Vous l'avez laissé, vous êtes venu, n'est-ce pas? Oui. Ok. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose à la suite de ce que l'homme de Dieu a dit. J'ai vu quelqu'un qu'on appelle Taouda. Hein? J'ai quelqu'un qu'on appelle Taouda. C'est un collègue à votre mari, c'est son ami. C'est son conseiller. Je vois souvent dans son truc, c'est Taouda. Oui. Je vois. Taouda, c'est son meilleur ami. On l'appelle
il appelle vrai. Acclame Jésus. C'est son esprit. C'est l'ennemi de votre foyer. Il a dit à votre mari de vous chasser. Il lui a dit de vous chasser. Il a dit de vous chasser parce que j'ai vu une femme qu'on appelle Gisèle. Au nord là-bas. J'ai vu une femme qu'on appelle Gisèle. Je l'appelais comme une soeur. C'est comme une. Je l'appelais comme une soeur à vous. Et cette Gisèle, c'est un peu comme. Comment, c'est comme l'antidote que Dieu a mis pour vous. C'est une femme qui prie. Et elle prie beaucoup pour vous. Et c'est quelqu'un qui vous a donné des conseils qu'il faut faire attention. Ne laisse pas ton mari, ne laisse pas qu'on arrache ton mari. Le problème que tu as, c'est un problème spirituel. Ça, c'est vrai. Hein? Maintenant, je vais quelque chose. C'est très vrai. Oui, vous voyez le problème que vous avez avec votre mari. Daouda dit à votre mari de vous quitter. À cause de l'enfantement. À cause de. Vous cherchez l'enfant. Ça ne vient pas. C'est vrai. Problème, hein? On lui a dit que quitter quoi-même avec moi, il ne veut pas aller chercher. Ah, c'est bien. Maintenant, il y a un problème. Il y a un autre problème que vous ne connaissez pas. Vos problèmes viennent de depuis avant le mariage. Ça, c'est vrai. Je vais vous expliquer quelque chose. Elle avait son ami, qu'on appelle Nadine, qui coiffait, qui la coiffait souvent. Et Nadine a pris votre perruque. Vous avez amené chez Nadine un jour pour qu'elle traite la perruque. Quand c'est venu demander la perruque, elle vous a dit qu'elle a cherché la perruque, elle n'a pas retrouvé votre perruque. Vous avez eu des problèmes avec cette Nadine, au point où vous avez cessé de partir chez elle. Votre perruque a été amenée quelque part et on a fait des invocations sur vous. Parce qu'à cette époque, vos camarades vous demandaient ce que vous faisiez pour que les hommes vous aiment. Et à l'époque de la Nadine dont je parle, il y a un jeune homme qu'on appelait Innocent, qui était derrière vous. Et Innocent voulait vous épouser. Mais la relation n'a pas abouti. Pourquoi? À cause de la jalousie de vos amis. Là où votre perruque est partie, un hôtel a été bâti contre vous. Et ça crie contre votre mariage. Et l'homme de Dieu va prier pour vous. Si on ne prie pas pour vous, ça risque d'être difficile. Vous risquez de vous retrouver dehors. Le divorce. Lève de deux mains. Tant de mains. Écoute, suivez là, que des gens là, il y a un démon fort. Quelqu'un retient tes jumeaux quelque part. Quelqu'un retient tes jumeaux quelque part. Tiens ton ventre. Toi, esprit de stérilité. Quelqu'un dit ça. Quelqu'un vient de dire ça. Là, ne me plaît pas, dis ça. Suivez la sainte démon va la quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ. J'ouvre tes entrailles. J'ouvre ton ventre. Tu vas rentrer et tu conçois. Oh, yes. L'année prochaine à la même époque. Jesus. Reçois tes enfants. Levez-la. 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 Je suis les yeux. Ce démon la quitte. Lève-la. Regarde. Regardez ce démon. Qui es-tu? Qui es-tu? Au nom de Jésus, je te commande de confesser tout ce que tu as fait contre elle. Quelqu'un dit parle. Parle. Tu veux aussi avoir l'autorité pour chasser les démons? Reçois! Levez-la! Qui es-tu? Hein? Qui es-tu? Elle est venue du nord pour chasser la délivrance. Toi, tu es ici à Momba et Kounou. Reçois ta délivrance! Ça, c'est un homme fort. Comme son nom fort va quitter, ton nom fort va tomber aussi. Regarde-nous ici. Qui es-tu? Tu sauras puissant des cris maintenant. You are free spirit. Tu sauras puissant des cris. On a mis comme un cochon un élan porc. Dans le micro, tu vas entendre comment il va faire comme un porc. Jesus. Toi, esprit de porc. Sors!
qu'on a mis pour manger tes bébés. Il y a 7 démons qui habitent cette femme. C'est parce qu'on est en direct, parce que cette affaire-ci a fait qu'elle-même elle commence à sortir dehors. Elle commence à aller dehors. Elle commence à aller dehors. Je compte jusqu'à 7. C'est 7 démons la patte. Et tu vomis les substances. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est là. Encore ton mari, oui, tu veux que vous fassiez votre vie, oui. Ça a failli commencer à envoyer ton cœur même dehors. Ça, c'est aussi. Vrai, je ne veux pas. Le fait que tu aies voyagé, oui, je vois. Je vois. Dieu te pardonne. Amen. Dieu te pardonne. Amen. C'est vrai, je n'ai rien fait, mais. Non, je te dis, non. Je n'ai pas dit que tu as. Nous sommes les... Si tu ne te sens plus aimé, tu fais comment? Tu comprends un peu? Mais il y a toujours quelque chose qui t'empêchait de commettre l'irréparable. Mais tu étais déjà attiré. Dis quoi à Dieu maintenant? Rapidement, à cause du temps, il y a beaucoup de gens. Tu vois quoi? Tu vas aller au Canada. Tu vas aller au Canada. Amen. Je t'ouvre les portes des nations. Je te vois travailler dans les jours de ACR et autres. Ton destin est très grand en fait. Tu es une grande femme. Au nom de Jésus-Christ. Hey, au nom de Jésus-Christ. Tu as. Il y a ta nièce. Est-ce qu'il y a sa photo quelque part? Elle est dans le coma où? À Bafoussa. Oui. Elle s'appelle qui? Idaris. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas maintenant? Oui, il y a ma grande soeur là-bas. Là-bas, dans le lit de l'hôpital. Il y a sa mère. Va essayer d'appeler pour qu'on la réveille comme on est ici. Pour qu'on nous dit amen comme si vous avez peur. Yes! Il y a un amen comme le tonnerre. Oui. Au nom de Jésus. Amen. Dis mon oh, Dieu! Oh. Les offrandes et que on va retarder une lunette. Est-ce qu'on peut accueillir le prophète Kaptoki qui va nous faire des salutations prophétiques? Il ne peut pas partir sans vous saluer et décréter une parole. Trois prophètes au même endroit, ça pèse trop. Acclame le Saint-Esprit, s'il te plaît. Bienvenue. On a dit que les salutations, un père ne peut pas entrer quelque part. Sam, salue les enfants. À toi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Bonsoir. Le bon nom de Jésus. Amen. L'onction est très forte ici. Amen. Et les prophètes, ils ont prophétisé ce soir. C'est très fort, c'est glorieux. On peut sentir la présence de Dieu ce soir. Amen. Je voulais simplement déclarer que vous êtes tous bénis au nom de Jésus. Amen. J'active chaque parole prophétique qu'elle est libérée ce soir. Amen. Je commande qu'elle soit manifeste dans ta famille. Amen. Dans tes affaires. Amen. Dans toutes les dimensions de ta vie. Amen. Après ce programme, que ta vie ne soit plus jamais le même. Amen. Que la victoire s'attache à ta maison. Amen. S'attache à tes affaires. Amen. Que dans tous les combats de la vie, qu'elle est libérée de ta corps, la victoire au nom de Jésus. Amen.
brillante, glorieuse, extravagante. Amen. Dans ton partage au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu es béni le matin. Tu es béni à midi. Amen. Tu es béni le soir. Amen. Dis avec toi, voici ta vie. Amen. 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 Acclame Jésus. Lève ton téléphone vers le Seigneur. On va décréter quelque chose pour activer les appels. Il y a quelqu'un ici, vous attendez un appel